Et yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on démonte les gens en rank, en solo rank. Parce que ouais, je vais faire une game en solo rank pour vous montrer que la puissance de Chou c'est incroyable. Mais je vais pas faire n'importe quelle game parce qu'en fait je vais faire une game avec le spell châtiment pour vous montrer que qu'on peut en fait avec un héros invade. Le raid tout seul, voilà. Donc c'est parti. Moi je vous conseille de faire le chou châtiment en solo rank parce que les gens en solo rank ils n'ont pas trop de stratégie. Donc c'est plus simple d'invade personnellement avec un chou retribution. Donc là je vais aller prendre chou directement. Donc pour l'instant ça va, en face ils n'ont pas de tank trop chiant. Ok, un gâteau de caca ça va être un petit peu chiant. Ouais, ça va vraiment être chiant, ouais. Parce que du coup il pourra me narguer et ça va être chiant vraiment. Mais bon, on va quand même rester sur notre stratégie. Donc je vais aller prendre le châtiment. Bien sûr en penta, en trio, il faut toujours jouer flash. C'est la base, le flash avec Chou. Mais un chou châtiment en solo rank, ça fait vraiment du sale. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Ok, donc en face, on a un gâteau de caca, un Veil, un Granger, un Yuchong et un Badang. Ça va, genre c'est pas trop coûteux le chou châtiment, donc ça va. Moi, je vous conseillerais de ne pas prendre le châtiment si en face, il y a du stun en fait. Genre si en face il y a du Kufra, du Ilos qui fait beaucoup de dégâts en niveau 1. Voilà, je vous conseille pas. Et même du Atlas, c'est chiant. Même si qu'on peut counter, mais bon, faut un bon timing et tout. Ça. On peut pas toujours avoir le bon timing avec Chou, avec le Shunpo. Donc voilà, je vous conseille le flash, c'est mieux. Après châtiment, c'est vraiment en solo rank quoi. Donc comme vous l'avez vu là, le Granger n'a pas de châtiment. Donc c'est un bon point pour moi. Je vais pouvoir invade le raid tranquillement et sûrement. Donc là, on va prioriser l'épée agile pour avoir des meilleurs dégâts quand tu fais châtiment. Ah putain, ok. Là ça change tout. Ok, donc là vous voyez le Granger il fait l'erreur de... Voilà, je l'ai eu. Je l'ai même eu sans le châtiment MDR. Ok, donc là on a eu le kill, on part. On part tranquillement. On fait pas de la merde. Ok. Là je vais partir, je pense que ouais, c'est bon, je vais bien partir là, ça veut rien dire mais bon voilà j'ai réussi à partir. J'allais prendre le truc avec le châtiment, donc là on est très bien. Je vais rester au mid parce que ouais, parce qu'il y a des sbires à clear. Hein. Tout en esquivant comme un professionnel. Bah, décidément, voilà. Voilà, le Val-de-Marne il veut surrender. Bon point. Donc là, comme en fait j'ai châtiment, donc je m'inquiète pas s'il me le vole ou pas en fait. C'est ça l'avantage d'avoir un chou retribution. Voilà. Je suis extrêmement feed dans la game là. Je suis niveau 5. Alors que le tank est que niveau 4. On va faire un petit freestyle. Qui est mode des familles. Et voilà, on prend le kill tranquillement. Parce que comme je vous le dis, les gens en solo rank n'ont pas de stratégie. Et c'est ça le bon point en fait. Là je vais aller prendre le vert, puis revoler le raid à Granger. Voilà. C'est bon, on a eu le truc.
Maintenant, je vais aller clear la lane du mid. Parce que les sbires sont très importants pour l'or. On gagne extrêmement facilement en or avec les sbires. C'est ça qu'il faut se dire. Ok, je vais aller les rejoindre tout de suite. Avant que ça soit trop tard. Non, en fait, il gère là. Voilà, je prends le kill. Merci Valir. Et on fait le kill tranquillement. Et sûrement, je vais pas aller prendre le raid, je pense. Ok, il veut aller le prendre. Non, non. Je vais lui demander de retraire parce que ça fait. J'ai peur qu'on le fasse KS sans mon châtiment. Et aussi, les gens utilisaient le châtiment pour ralentir les héros, quoi. C'est vraiment pratique. Donc maintenant, je pense que le Granger il a rejoint le truc. Voilà, il l'a rejoint. Voilà, regardez, je l'ai eu. Et maintenant, je vais aller kill le gâteau de caca qui voulait me tuer. Le Granger a utilisé son purifier, c'est un très bon point. Regardez, je suis extrêmement feed. Regardez, je vais le baiser. Il va tenter un dash. Hop. Ah. Voilà, on l'a tué. Tranquillement. Vraiment zéro dégâts. Vous voyez à quel point c'est cheaté. Bah ouais, you are down, go. Bro, je veux dire. Putain, pourquoi j'ai dit go? Bon, du coup, les gens, je vais aller pêcher. Tranquillement. Bah ouais, mes frères, c'est normal. T'as Mister SS contre toi, mec. Donc voilà, là on va vraiment la gagner facilement cette game. Je pensais pas que ça serait aussi facile. Mais bon. C'est vraiment. Comme vous l'avez vu, un chou châtiment c'est vraiment bien en solo rank. Mais pas en trio. C'est beaucoup plus compliqué de jouer un chou trio. Enfin en trio. En châtiment. Enfin vous m'avez compris. Je parle comme un. Oh là là, je n'arrive pas à articuler. Ok donc. Là, je vais aller tous les baiser, un par un. Oh, le bâtard! Oh, l'ultra instinct! Il est allé à droite quand je suis allé à gauche. Bon, c'est pas grave. Je vais aller prendre les farms, tranquillement. Parce que j'ai la machine du Raptor qui me fait farmer énormément. Enfin, archi vite. Bah, voilà. Comme... Ok. Je vais aller le buter. Oh, le bâtard! Allez, on va spammer le bouton kick. On s'en bat les couilles, on va l'utiliser. Voilà, il est mort. Le châtiment qui fait beaucoup de dégâts. Ok, là, ça va être un petit peu plus dur. Même si, qui sait, bon, j'ai réussi. Le petit Shumpo pour être immunisé au contrôle de Veil. Bon, j'ai pas eu le raid, mais c'est pas grave, j'ai réussi à faire un kill. Et je vais aller tranquillement ramasser. Oh non. Hop là, un petit kill, un one shot. Quand vous êtes extrêmement fit comme ça, vous n'avez pas besoin de... Réfléchir à focus key en fait, parce que vous faites énormément de dégâts et voilà, il surrender tranquillement. Et voilà, les gens, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On les a vraiment éclatés au sol. Enfin, putain, ça veut rien dire, mais voilà, on les a éclatés. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'oubliez pas le like, abonnez-vous, vous connaissez les bails. Road to Mythic, voilà. Donc salut les gens et donnez-moi des idées de vidéos. Voilà, s'il vous plaît.